C'est ça, il dépassé, il passé, il dépassé. On est beau, on va pas entendre un petit monde qui vient accompagner maman, il y a un rapport dans un petit beau. Miko, ton trois rêves passé. C'est où les nous parler. Un petit bonsoir. Faut nous dire, vivre sérieux, faut pas y oublier. Nous babayer la voix. Faut dire de quartier, depuis de voir ça. Jusqu'au jour où on commence à toucher en clavier, on commence à composer, et puis on intégré, fusion, et voilà, c'est parti. On peut être en bas en pied-bois, mais en bas pied-bois, là, quand on inspire, c'est plutôt au fond de vous-même, c'est... Et puis t'es là, il y a inspiration ici. On a toujours la même musique, on a toujours des musiques. Depuis l'âge de 5 ans, hein, depuis qu'on a commencé, quand on prend conscience des moins, c'est-à-dire que ça vous dit en face, ou là, au bébé, puis là, on commence à comprendre qu'il y a un petit monde. Ah, t'es arrivé musique, aider, par rapport à comment on dit. Le mot aider, quand on dit. Y aura du l'union fait la force. Est-ce que là, vous pouvez commencer, vous trouvez des mounes, vous dites. D'accord. Non, bon, ça vous tourne, il n'y a pas au cours. On est amis, moi qui a dit, Demetrius, eh ben, Tony, nous toujours travaillons ensemble. Nous, avec Chris, ça a aidé, avec Chris, en fraternité. Nous, c'est des frères de combat. Donc, nous n'avons qu'à apporter la même balotte. Ça dépend, j'en crois, oui. Sous pas vous tomber, des bisous, mon voeu. Qui reste, mais sur quoi travaille, quoi essayer de faire musique pour Bita Belle, pour Bita ni Swing, pour Bita Belle. T'appeler le grand public. Ben voilà, on va fonctionner. C'est même, on n'a pas une grosse différence entre moi, l'ancien scène, et puis moi dans la vie de tous les jours. Tout message, pas une personne qui est interdit, qui parle de sexe, qui parle de femme, qui parle de nom, qui parle de la vie, qui parle de tout bit, qui parle de manger, qui parle de tout bit. On a parlé de Sarajevo, de première chanson, vérité cachée, donc en projet à Sarajevo, mais c'est des bits qui ont autant nos informations, pour essayer de comprendre, et puis pour essayer de traduire. Marie, son morceau, quand écrit justement ma collègue en moi, qui était qu'à pression madame et du moins vous ça exprimer vite la baille donc à travers ça il dit moi les chansons là Marie. C'est qui mon? Il débute à décider. C'est bon Dieu avec le public. Si bon Dieu décide qu'il fait sans tube, il est en tube. Si le public décide c'est en tube, il est en tube. Mais moi personnellement, pas décider qu'il est sans tube. On ne peut pas faire sans bon gens. Si bon Dieu veut qu'on connaisse le succès, ben on peut connaître le succès. Si on ne peut pas connaître le succès, on peut faire ça où veut. Et puis, on peut être en battable. L'aventure est limite commencée exactement depuis un peu avant 80, dans les années 95. Parce que, bon, on écrit les premières chansons à. Enfin, l'un des premiers tubes à Alex, c'est moi écrit le morceau Rété. Morceau radio. Forêté, ma vie, chamber. C'est moi écrit le morceau là, ça. Et après, bon, nous venons rencontrer nous tout le temps, Sissène, donc nous dit, bon, nous faisons pas au courant ensemble. On est formé ensemble, donc 96, nous avons rencontré nous tout partout, en Guadeloupe, Martinique, Guyane. Comme nous tenions deux actualités, nous étions ensemble. Et ensuite, en 98, nous sortions en morceau commun, c'est l'album Réel 8. Hein? Et puis bon, nous continuons. Mais c'est, il faut savoir aussi, c'est que nous n'avons pas ça, mais Réel Limit n'a pas tant de groupe. Réel Limit, c'est un concept. C'est-à-dire que nous avons réuni nous à des moments bien précis pour nous faire un bitin bien précis. C'est-à-dire que nous avons fait Réel Limit dans des moments bien précis. Parce que le premier Réel Limit l'a sorti en 1998, mais le deuxième l'a sorti en 2002. C'est-à-dire que 4 ans après. Et 3 l'a sorti en 2011. Tu vois? De 2002 à 2011, et bah ouais, donc c'est pas un groupe comme si ouais, nous t'es obligé, nous t'es café vraiment par. Parce que nous t'es aimé ça, nous t'es aimé faire des collaborations, tu vois. Donc c'était un concept, tu vois, c'est un concept. Et ton corps le caresse, je l'invite sur les bras. Y'a du monde.
ça nous peut dire si Réel Limite, est-ce qu'il est vivant toujours ou bien il est mort? Non, Réel Limite, non, moi, on décide d'arrêter Réel Limite, moi, consacré moi à Buzz, qui est un nouveau concept qu'on met en place, mais avec plus de monde. Nous, 8. Nous, 8 à Dambos. Donc, c'est plus costaud, c'est plus gros que Réel Limite. C'est plus difficile à manipuler aussi, puisque nous, à 8, ça n'est pas évident de réunir 8 mounes au même endroit, 8 calendriers différents et 8 têtes d'affiche. Donc, c'est pas évident, mais bon, c'est l'aventure humaine qui est très intéressante, qui est très enrichissante et que nous tiennent à mener à bout. Alors, quelle signification à Buzz et bon, nous, à ces 8 artistes là? Buzz, c'est Best Original Zouk, c'est-à-dire que nous allons représenter le zouk local, que ce soit Guadeloupe, Martinique ou Guyane, mais c'est le zouk local. Alors, nous ni monsieur Alexis qui est là, Kabalala. Nous ni monsieur Jean Ferdinand, nous ni la grande Jessie Belval, nous ni encore Jimmy Desvarieux, nous ni aussi monsieur Jean-Marie Agal. Hey! Et nous ni aussi Patrice Ulman qui est là avec nous aussi. Et nous ni moi-même qui est Richard Bioman, je vois. Et aussi Christian Lara. Christian Lara aussi. Est-ce que ça facile de véhiculer les musiques en nous, Zouk là? Oui, bien sûr. C'est sans musique comme tous les autres. Hein. Parce qu'à un moment donné, le monde a posé la question, est-ce que Zouk là est mort? Bah, c'est le monde qui va sortir. Là on va sortir, on ne peut pas ça. Bon, non. Là on va sortir, on ne peut pas ça, mais. Le zouk, c'est une des musiques les plus puissantes au monde. Il est tout petit, mais il a des places en l'eau monde, dans tous les pays du monde. Nous gabaye la voix. Même quand on charge au plein ou moi 300 euros. Nous gagnons même. Pour nous, on va y avoir ça. Si y a pas de bonnes mouvements de la fête, t'as été explosé. Pour Jacques Honnête, quand il a la famille, rendez-vous préféré à vous. C'est Mikoto 3 à Kai Passé. La famille qu'on est là au Jacques Honnête, c'est Mikoto 3 à Kai Passé. Laissez ou les nous gabaye la voix.